reparti. C'est reparti. Regarde, il y a le truc juste à côté. Qui? Intel? On va appuyer à pied. Aurait pu Vas-y, dire. dépose-moi là. Ouais, je vais déposer aussi. Prends le soin de fermer la porte quand elle descend. Ça dépend si t'es en mouvement. Si t'es en mouvement, forcément. Est-ce que la reco a repéré des sicarios? Alors, l'Intel. Merci. Ah, il est pas du tout là, dis donc. Troisième cible. Je repère un petit groupe d'ennemis. Fait peur en civil. Donc ça sent la pluie. Ça sent la pluie, j'ai libéré un gars. J'ai pas vu un. Une cache d'armes ou un truc comme ça là. On arrive à 5. Tiens, il y a une arme là-bas vers toi. Ouais, il y a une arme là-bas. On monte ici. Par dehors. Ah, par l'autre maison. Ah oui. Là, tout. Eh oui. Ça ressemble au lieu de tout à l'heure. Oh bah tu sais, ils réutilisent pas mal. C'est un convoi qui prend la route de la mort, escorté par une équipe de sécurité apparemment. Je vois un nom. Salazar. Bowman, on entend parler d'un lieutenant du cartel prénommé Salazar. T'as des infos sur lui? Ah oui. Roré Salazar. Le petit chéri à sa madre Coca. Répète ça. Grosso modo, Salazar avait 17 ans et il bossait dans les champs quand la madre Coca a pris le contrôle de Tabacal. Elle s'est entichée de lui dès le départ. Comme quoi, il lui rappelait son vrai fils, mort à peu près à l'âge de Roré. Elle lui a offert du boulot, mais son père a protesté. Pour la peine, elle lui a passé une pile de pneus autour du cou avant d'y foutre le feu. Depuis, Roré est à la fois son fils adoptif et son bras droit. C'est carrément glauque. Salazar est sûrement la seule personne au monde à qui la madre Coca fait vraiment confiance. Si on l'attrape, elle aura plus que ça en tête. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai une caisse d'armement en visuel. Caisse d'armement. Capture Salazar. Le bras droit de la madre Coca est un gars du coin, un certain Salazar. Elle lui laisse tout gérer. On va voir comment elle réagira quand il sera sous notre garde. En face, alors, il y a le truc qui a marqué armurerie. Non, une caisse d'armement. Oui, c'est ça. Bah, je l'ai récupéré, ça. Ah bon, bah, c'est bon. Bah oui, mais il vient de me. Bah. Moi, je pense qu'il y a autre chose dans les environs. Peut-être que je suis trop loin pour le visualiser, mais. Peut-être vers les camions en bas. Non, je vois pas pourquoi. Ou alors il me prévient avec retard quoi. Ah, peut-être. Au moment que je l'ai récupéré. Il faut le capturer. Ouais. Est-ce qu'il va être docile? Avec un tank. Hein. De personne. Quelle idée de prendre une petite route comme ça aussi. Ouais. Avec un gros machin comme ça.
contre, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ouais. En fait, ça fait quoi quand tu tires? De quoi? Ça fait quoi quand tu tires? Quand je tire? Ouais. Je t'ai jamais vu tirer avec. En même temps, je veux pas vraiment tirer n'importe où, hein, les balles perdues. Tiens, il y a du... Il y a du convoi dedans. Ah, il se déplace, hein. Ouais, vas-y, tu peux tirer les... Je crois qu'il va plus vite que le tank. Hein. Merci, gars. Ah. Deux secondes, je prends le volant. Allez, accélère. Ouais. Oh. Voilà. J'envoie une flashbang. Crever, hijo de puta! Où est-ce que vous m'emmenez? Quelque part où la Madre Coca te trouvera pas. Aucune chance. Elle retournera toute la Bolivie pour me retrouver. Tu crois vraiment que je peux l'emmener? Je peux le mettre derrière ou pas? Embarque. Sur toi la tête du cul, t'es son jouet. Un jouet? Elle m'a sorti des champs pour faire de moi son bras droit. J'avais 17 ans, et tout Tabacal me traitait comme un roi. Elle m'a donné le pouvoir. On me respectait, on me craignait. T'as gagné à la loterie des enculés. Bravo. Là, je parie qu'elle est en train d'auditionner ton remplacement. Tu la connais pas comme je la connais, gringo. Crois-moi, tu vas brûler en enfer. Tu vas crever, hijo de puta. Tu m'entends? Jojo, tu sais ça, qui je suis. Tu m'en veux de la Madre Coca? Dis-moi, gamin, elle te borde encore la nuit? Répète ce que tu viens de dire. La ramène pas trop, gamin. Tu vas venir avec nous. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Ah bah voilà. Ah bah faut soigner ses entrées. C'était du bio. Il est là, le gars. Ah, j'aime bien faire la porte du pied et tout. Je t'attends pas. Vas-y. Suce ma bite, la guignosa de merde. Je te dirai que dalle. Salazar, tu comprends vraiment rien. Oh, j'en ai rien à foutre que tu parles. Sans toi, y a plus personne aux commandes à Tabacal. La Madre Coca va devoir sortir de l'ombre et là, on la chope. Entonces, tu crois vraiment qu'elle fait confiance qu'à moi? Carajo, elle a posté des hommes à elle parmi les fermiers. Ah, ça, c'est une information intéressante. Tu vois, tu peux coopérer quand tu veux. Non, j'ai pas... Oh, mais si. Et la Madre Coca t'étriperait vivant si elle apprenait ça. Donne-nous des noms, Salazar, et on te promet que ça restera entre nous. Sinon... Super la pression. Allez, pues. Ok. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Franchement, ils sont pas trop foulés. Hein. Le gars, genre, ah, t'as balancé une info, on va te balancer, tu vas voir. Ah, c'est ok, je dis tout, je dis tout. Ah, ouais. On a même plus besoin de le tuer nous-mêmes, quoi. Bah non, c'est ça qui est bien. il pleut, bergère. Bon, bah c'est bien. Attends, regarde. Vient de nous envoyer des noms. Apparemment, Salazar a fini par tout déballer. C'est une liste des taupes de la Santa Blanca qui travaillent dans la coopérative agricole. Je vous fais pas de dessin. On les bute. Allez, on se quitte là-dessus. Ouais, ça marche. Allez, à tout de suite. À toutes.